Bonjour, je suis Andrew Cranes. Je suis prof d'architecture et d'aménagement du territoire à Rome depuis 2010. Et deux fois par an, depuis 2010, je fais participer mes étudiants venus passer à Rome un semestre de leur cursus de licence au concours art urbain. J'ai l'honneur de les représenter aujourd'hui, ainsi que le campus de Rome de l'Université de l'Arkansas. C'est le vert. Voilà. Caitlin et Carson, récemment diplômés en architecture de l'Université de l'Arkansas, ont conçu Mains and Minds, les crinières et les esprits, un centre de bien-être pour la communauté du quartier Testaccio à Rome. Elles ont déterminé que ce site isolé, abandonné et envahi par la végétation, celui d'un ancien stade de football professionnel, pourrait devenir un pôle dynamique de vie et d'activité, capable de susciter l'engagement de toutes les classes d'âge et de faire émerger de nouveaux écosystèmes. Voilà. Non. C'était bon, c'était non, ça c'est Cameroun. Cameroun, c'était tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est parti. Bye bye. Bon, on est parti. Il y a un PDF de... Oh. On est parti. On n'est plus dedans. Mais, on manque... Ah non, non, voilà, voilà. OK. L'activité thérapeutique équine occupe les vastes enclos à ciel ouvert et différents bâtiments existants réutilisés de manière adaptive. Alliés aux thérapies par l'art et par la musique, ces activités offrent des bienfaits de forme et de santé à tous les âges de la vie. Le projet rend hommage aux anciens Prati del Popolo Romano, qui, dès l'Antiquité, faisait déjà de ce quartier une destination de loisirs et d'agréments. Prolongeant le Wellness Center au-delà des limites du site, un réseau de pistes cavalières émerge des paddocks et des aires de pâturage, venant aussi renforcer les liens avec une ville en 15 minutes. À la lisière de la capitale italienne. Mains and Minds contribue au rétablissement de l'écosystème local. Un vaste espace ouvert à l'abandon est ainsi transformé en zone de pâturage active et presque auto-entretenue. Le site est doté d'un écosystème à irrigation minimale, accroissant la biodiversité animale et végétale. Relié à un réseau éducatif de proximité et à un centre pour les personnes âgées, avec un accès aisé au reste de la ville par les transports en commun, le projet offre une rare opportunité de réintroduire un pan de campagne à l'intérieur des murs auréliens. J'attends un moment.
Les revoilà. Voilà. Ça, c'est bien. Oui. Mais le problème, c'est que je ne peux pas passer son diaporama et le diffuser en même temps à ceux qui sont en visio. Donc, je suis désolée. Excusez-moi. Pour faire le lien avec les structures voisines, les petits bâtiments abandonnés ont été supprimés afin de créer des sentiers ouverts et de nouveaux espaces de convivialité, favorisant les activités sociales en plein air. Les sentiers sont bordés de canaux où sont captées les eaux de ruissellement, utilisées ensuite pour entretenir... Les sentiers sont bordés de canaux où sont captées les eaux de ruissellement utilisées ensuite pour entretenir les pâturages. Ça marche pas. Voilà. La restauration des bâtiments existants contribue à préserver l'essence du quartier, tout en créant des espaces à vivre plus ouverts et accessibles, notamment un manège couvert, un café et deux lieux ombragés où se retrouver, se détendre et profiter du plein air. En respectant la nature, la qualité de la vie sociale et celle de l'architecture et du patrimoine, Mains and Minds propose un nouveau programme engageant et dynamique qui s'appuie aussi sur le caractère de la Rome d'aujourd'hui. Merci.